En fait, on va bénéficier de la mode des bains de mer, en fait, qui a une vocation thérapeutique hein, au départ. Cette mode d'Angleterre qui date de la fin du XVIIIe siècle va peu à peu traverser la Manche. Alors à l'époque, il y a nécessité d'avoir plusieurs équipements pour pouvoir pratiquer la baignade. Donc il faut des endroits pour se changer, des endroits pour ne pas rester trop longtemps au soleil. Donc il va y avoir la construction des petites cabanes individuelles. Ça c'est quand ? Ça c'est vers les années 1880. Et puis après, à partir de 1890, il va y avoir des choses un peu plus industrielles, entre guillemets, donc avec des établissements de bains. Et en même temps, toujours cette vocation thérapeutique, c'est-à-dire des bains d'eau de mer chaud ou tiède, des bains de varech pour soigner, pour améliorer la condition physique. Mais surtout, les gens sont venus chercher du plaisir, la fête. Donc, sur cette plage-là, il y a souvent eu des fêtes de plage qui ont été organisées. Alors, des concours de saut en sac, des mâts de cocagne, des concours de châteaux de sable, etc. Donc, il y avait toute une vie de fêtes, de loisirs sur la plage du bureau pendant la saison estivale. Voilà.